Aujourd'hui, choisis la bonne porte avec Nico. On est là. Par contre, dernier petit truc à dire, il y a une porte avec le chauffage ici ou pas? Il fait un peu froid. On tremble. Hein. Mec, est-ce que t'es prêt ou pas? Oui, mais non, parce que souvent, moi, à chaque fois, je souffre le plus dans les vidéos et ça je comprends pas pourquoi. La couleur de peau. Mais non, aujourd'hui, je suis prêt. Bah mec, t'explique le concept. On va devoir choisir entre deux portes qui mènent à deux pièces complètement différentes. Une porte de chance ou une porte malheur. Mais la couleur veut rien dire, en gros. C'est pas parce qu'il y a du rouge que c'est mauvais ou du bleu, c'est bon. T'inquiète pas, j'ai regardé, je me suis renseigné, j'ai fait... Donc, il y en a un qui va souffrir. Ou tous les deux, on va souffrir, on sait pas. Ah ouais. Ou on va kiffer. Après, si on kiffe souffrir, comment ça marche? Ah bah, tu vas kiffer du coup toute la vidéo. Vas-y, c'est carré alors, c'est bon. Mec, je te laisse choisir la porte que tu veux. J'ai analysé ce qui s'est passé sur les vidéos. Ouais. Et Cléric, il se passe souvent de meilleurs trucs derrière la porte rouge. Après, je sais que le chargé de prod, il utilise ChatGPT pour faire le choix des portes. Donc franchement... Moi, je vais rester sur ma statistique. La rouge? D'ailleurs, les gars, la porte, elle est cassée à cause de Tristan. Ça va mieux. Ça, quand ça sort, ça fait du bien. Ok, vas-y, t'es prêt? 3, 2... Non. Mais c'est quand même pas mal les mecs. Par contre, je vois que toi tu vas te faire arracher mon gars. Il est trop là. Ça commence déjà comme ça frérot. La meilleure sensation va commencer à se mettre nu, ça c'est lourd ça. Je vois la balle, elle est attachée à une putain de ficelle, je dois remettre ça sur mon... Ça a été filmé 500 fois sur TikTok. Les gars, c'est d'un côté, venez ma gueule, venez. Chavez, je t'ai dit statistiquement, j'ai regardé les vidéos avant, la rouge, c'est la meilleure. Là, tu penses que tu vas faire quoi du coup? Je crois que ça va tirer pour l'épiler, je crois. Non, mais en vrai, j'ai compris, c'est quoi le truc? C'est en gros, moi je me repose et toi tu fais un peu de sport, non, c'est non, ça? Non. T'as vu les bandes vides? Non, ça c'est pour la déco, c'est pour la, tu vois, moi, pour la DA de la pièce. À une époque. Parce qu'en gros, je m'étais blessé au foot et du coup, je faisais des séances de muscu. Du coup, je voyais tous les jours mes cuisses et je me suis dit pourquoi pas les voir une fois sans poils. Ouais. Et j'avais laissé une jambe sur deux, comme ça, je me frottais la nuit, j'avais l'impression que c'était une meuf. Attends, ouais, ça ouf. Mais attends, la meuf avec les poils ou la jambe sans poils? Bah, je frottais la jambe sans poils sur ma jambe poilue. Ok. Et j'avais l'impression qu'il y avait une meuf, hein. Après, j'ai pas beaucoup de poils, moi. Wesh, le Bernabéu, faut ramener un jardinier, là. Je pense qu'à mon avis, moi, ça va t'épiler avec ça directement, je crois, un truc comme ça. Hein. Ouais, mais après, tu vas être gentil, tu vas faire un shoot doucement. Non, là, je suis revenu en plus de ma blessure. Je vais essayer d'aller tester un petit peu la frappe max. C'est bien, j'adore ces genres d'infos. Putain, je mange déjà dans la première porte. Bon, bah, c'est parti. Ah, c'est le moment. Hein. Du coup, on va attacher la ficelle à la bande que je vais attacher sur ma jambe. Ouais, de toute façon, on verra, il y a d'autres endroits non plus. La barre même, non? Pourquoi pas? Mais gros, Benny, ça va m'arracher la gueule au ralenti, genre. Un taper, je te fais un taper, tu me mets à l'arrière. Les gars, regardez, il y a Hugo Loris dans les cages. Hugo Rosby. Allez, frérot, c'est Jules, mon ref, JC Prod sur YouTube. Il est venu faire le goal aujourd'hui. Parce que je trouve qu'il ressemble à Hugo Loris. De loin, en fermant les yeux, pourquoi pas, hein. Bon, vas-y, j'arrête de parler parce que depuis tout à l'heure, je perds du temps. Juste parce que j'ai pas envie. En vrai, sinon, je peux faire au-dessus du jean. Vu que c'est la première manche, on est gentil. Genre là. Non, j'ai vu qu'il y avait des poils au niveau du mollet, t'inquiète pas, tu vas te sentir bien. En fait, le problème, c'est que si tu l'arraches d'un seul coup, c'est bon. Bah, je vais être ton problème alors, justement. Mais on l'avait déjà essayé dans une vidéo, et ça avait donné ça. Ça arrachait pas, ça glissait. Non. Ah, mais là, il y en a beaucoup plus sur elle. Non. Vas-y, vite, colle là. On est graviers, mon gars. Bon, on va tester comme ça. Oh là là. Regarde-moi, hein, j'ai une petite idée. Ouais. Si jamais il arrête l'une de tes frappes, tu dois mettre une petite bande toi aussi. Ah, je sais que j'analyse un peu. Parce que là, il est en train juste de speller là-bas. Allez, vas-y. Oh, j'ai mis lucarne en plus. J'ai mis lucarne. Normalement, c'était censé faire comme ça, non? Attends. Un. Wow. On s'est encore trompé de sens. C'est de l'autre côté, normalement, c'est ça? Bah, en fait, de base, ça doit faire en haut. Je crois que je vais aller à la place du ballon, je vais tirer ça comme hein. Non. T'inquiète, c'est un pénalty comme un autre. Oh, ça a claqué. Oh, pas besoin du ballon en fait, hein. T'aimes-moi tout ça. Que sur le côté comme Mbappé. Hein. Mais tu sais que je crois que tu saignes là. Hein. Oh, ouais, il saigne. Par contre, de toute façon, il faut remettre une bande là. Hein. Tu peux pas rester comme ça. Hein. Après, de vrai, j'ai envie de tirer doucement pour que ça aille bien doucement. Attends, Nico, on peut être gentil ou. Non. Que pour les petits. Ah, attends, j'ai loupé en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux pas que je m'approche? Écoutez-moi bien, j'ai vraiment l'impression qu'on m'arrache la peau. Bon là l'équipe, avec le ballon ça accroche pas assez. Donc là on va y aller directement à la main. Fais vite s'il te plaît, vraiment si t'es un homme gentil. Non mais regarde-moi ça. Mais tu t'es fait agresser quoi.
Il en reste encore une quinzaine en vrai. On passe à la prochaine porte. Bon frérot, mange deux. Ça va bien ? T'as choisi la première, j'ai envie de choisir la deuxième. Ah ouais ? Mais en fait, j'aime pas choisir. Viens, on fait un truc pour la choisir. En mode, on fait pierre, feuille, ciseaux. Et celui qui gagne, il prend la bleue. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Hein. Prêt, ah vas-y. Ouais, je crois que tu faisais comme ça, le pierre, feuille, ciseaux, moi. Bah ouais. C'est vrai, tu fais comme ça ? T'as voulu me déstabiliser ? Je sais pas, tu fais comme ça, toi ? Non, non, mais après, quand je coupe avec les ciseaux, moi, ouais. je fais comme ça. Pierre, alors. Vas-y. Bah, je vais faire ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Bah du coup tu prends la rouge. Ah oui c'est vrai. Oh j'espère que c'est... Moi je pense que la mine c'est en deux. Non, alors c'est moi qui sens bon je pense. Après c'est moi qui ramène. C'est vrai qu'il a un parfum, il sent super bon. Ok t'es prêt? Ouais. Un, deux, trois. Qu'est-ce que c'est ce délire? Quoi c'est une deux? De con, hein. Moi j'ai un PC. TikTok, raconte-nous ton parcours. Ah, je suis la télé en fait. C'est ça le setup. Exactement. Ah, c'est trop acheté, attends le retour. Ah, je suis mort, il y a tout satisfaisant. Ah, ok, je suis dans un téléphone. Ça va? Pourquoi il me répond pas? Mais je croyais pas qu'il est en prison, quoi, lui. Mec, t'es mort! En gros, je dois raconter mon parcours et je suis dans un iPhone. Tu sais, les trucs croupés avec les trucs satisfaisants. Non, alors j'en ai vu des iPhones, mais j'ai jamais vu ça. Jamais vu comme ça. Enfin, raconte n'importe quoi, c'est pas un iPhone. Tu vois bien qu'il y a une télé, t'as déjà vu un iPhone avec une télé? Et toi? C'est énorme. Attends, mais du coup, qui a la mauvaise? Ah, bon, moi, je vais devoir rentrer mon crâne là-dedans. Ouais, j'ai mal au cul déjà, là, moi. Attends, mais il faut essayer de comprendre pourquoi ils sont ramenés. Attends, mais c'est Ziad, c'est toi? Il est venu dans la limousine, je vais offrir un McDo. Attends, moi, j'ai pas compris, il y a des 4X. Oh, putain, pas de fumitude. Qu'est-ce qui... Arrête, ça fait quoi? Pourquoi il parle pas? Hello. Il est zombifié. Moko, c'est un mec. Il prend pas son buzz. Wesh! Il est pas drôle. Pourquoi tu dis ça? Elle veut pas brancher la souris. En gros, je suis dans un téléphone, il est sur TikTok. TikTok, raconte-nous ton parcours. Ah, c'est les TikTok, les voleurs qui volent les TikTok où tu racontes un truc et ils mettent un truc satisfaisant en dessous. Oh! Tu fais les mêmes vidéos pas drôles. Il écoute pas. Non, en vrai, dans ces vidéos, il y a un seul truc drôle. Non, mais quoi? Alors... C'est Kamikaze. Il écrit même pas. Ok, je raconte mon parcours du coup. Bonjour, moi c'est Anthony. Il m'a regardé. En gros, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Ta gueule. Mais il y a même pas écrit ta gueule, il a écrit deux mots. Ta gueule. Encore. Et au début, j'étais monteur vidéo. Putain, je crois que je vais me faire abréger. Abrège, frère. Je suis trop long. Rigole, à ma vanne, elle était drôle. Abrège, frère. Tu le truc avec le petit café, là. Tu pèses sur TikTok. Ouais. T'es tellement gros, frère. Alors, en fait, c'est parce que j'ai... Cette année, t'as pris autant de poids que d'abonnés. Non, j'ai bien mangé, c'est tout. Et ça marchait pas, genre je faisais 300 vues, même voire 100 vues. Les gens dans les commentaires, ils me disaient, mais t'es gênant, ça sert à rien avec les vidéos. Et je les ai un peu écoutés pendant quelques jours. Après, je suis revenu à l'attaque, tu connais. Bon, allez, va te faire foutre. C'est un gros rageux, celui-là. Après d'être monteur, je faisais des vidéos en même temps. Et il y a un moment où j'ai pris un studio. Donc le premier Lox, les gars, où j'ai pris mon concept sur TikTok, justement. J'ouvre la porte tous les jours jusqu'à aller voir Inox Tag. Inox est venu, Nichou est venu, Artist, Joyka, Big Flo Yoli. Se passe quoi? Oui. Je te trouvais plus drôle quand tu envoyais des lettres par la poste. C'est passé, ça, c'est grandi un peu. Ça fait du coup maintenant à peu près 2 ans que je vis de YouTube et c'est cool, mais c'est dur. C'est pour ça, abonnez-vous à la chaîne, les gars. En vrai, TikTok, c'est le seul endroit où tu te sors plus d'une minute. C'est pas vrai. Depuis que je suis devenu milliardaire, en vrai, ce qui compte pour moi, c'est m'acheter des trucs de fou, des trucs de luxe, des Rolex. Comment ça s'est passé? J'ai rencontré un mec dans la rue, il m'a dit tu veux de l'argent? J'ai dit oui, et je suis millionnaire. Et à côté, c'est quoi? Ah, c'est Twitter. Eh, bouffon! Moi, je passe un bon moment, c'est la bonne porte ici, hein. Ah ouais? Depuis tout à l'heure, je reçois des compliments de baiser. Toi, tu te régales? Ouais, ouais, c'est cool. Bah, moi, je suis en train de parler. Il regarde un de mes TikTok là. Putain, il doit s'ennuyer alors, le pauvre là, non? Bah, non, il kiffe. Il a toujours pas soif. En fait, c'est lui qui a choisi la mauvaise porte. J'ai obligé de regarder tes TikTok. Un supplice. Oh, le pauvre. Force à toi, mon gars. Mais je lui explique mon parcours. Je te calcule pas, je suis dans ma télé. Ah putain, regarde le cadre. Le TikTok millionnaire, t'as bien pensé à mettre le gameplay Rocket League en bas? C'est un truc satisfaisant. Figlio di puttana. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Ouais, j'en ai sur Twitter italien. Non, sporge la testa o la mano del finestrino, si? En fait, le problème, c'est que c'est vraiment, regarde, il regarde que le truc satisfaisant, il s'en bat les couilles de ce qu'il y a en haut, en fait. Oui, mais je veux te la vie, t'as des sous ou quoi, là? Attends, lève-toi, vite. Lève-toi, va à l'intérieur. Oh, il est vraiment zombifié. Vas-y, va avec lui. Ça va, t'es content? Ok, moi aussi, je vais aller écrire un message. Il est stylé ton ordi, Pio? Moi aussi, je peux. Ah ouais, moi aussi, j'ai envie d'y aller. Pourquoi? Tu l'emmerdes.
Il a dit quoi? Il aime la merde. T'as vu qu'il est en train de dire il aime la merde. Putain, mais ah mais c'est Nico, nicotine là. Non, 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 c'est pas nicotine. Ah putain, attends, j'ai dit. Ah, c'est quoi mon, ce truc mon, dit, là, hein mon ordi, il est cassé, ouais. Nico, j'aimerais beaucoup te rencontrer pour... Allez, vite fait, fais ton aveu. T'enculer. Pourquoi il est devenu DJ entre-temps? Qu'est-ce qui se passe sur la souris, là? Vraiment, que Nico soit là, c'était le meilleur choix de toute cette vidéo. Ah, rien à voir. Mais... T'avais quoi là-bas, là? Toi, t'es tranquille. Vas-y, va voir, vas-y. Mais moi, tu veux savoir sur quoi je suis assis? Mais bientôt, la police va le savoir. J'ai grandi en fin d'accueil. Je suis quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent. Je fais des vidéos, je rends heureux des gens, et ça me fait plaisir, tu vois. Il y a des gens qui meurent. Mais pourquoi il fait genre il est triste, t'as vu? Et ça dure une minute hein, pour moi, la monétisation. Une minute. Hein. Au flamme, j'ai rencontré Paola, et je lui ai frotté le dos. Et ça, je me dis... Ça a fait plaisir, tu vois, ça a fait plaisir. Il va se faire abréger. Et je me dis, vas-y, pourquoi pas commencer à aller sur OnlyFans? Du coup, j'ai contacté Adé Laurent. Et le mec, direct, il m'a dit, montre-moi ton CV. Du coup, je lui ai envoyé la boteau directement, le stagiaire d'Adé Laurent. Oh, il est long, le TikTok. Ah, et voilà, je sais plus, les minutes sont dépassées, là. Wesh, tu veux pas en range le tel? J'en ai marre de des TikTok de merde, là. Non. Viens, range le tel. Attends, je le range dans ma poche. C'est là, je suis chacaloud. J'ai cassé mon télé. T'es pas ton téléphone, c'est une télé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu mets les 4 planètes. T'es prêt? Vas-y, hein. Tu veux qu'elle porte? Ah, direct, ça drop direct, ça, comme. Ah ouais, frère, porte numéro 3, c'est parti. Attends, tu sais quoi, je te propose un petit jeu. Tire au hasard, ouais. Et la couleur que tu tires, tu prends cette porte. Il y a que des rouges, la chef. Non, mais choisis. T'as vu, j'avais tout préparé. Tu les sors d'où, wesh? C'est quoi ce fion de fou? La boule que tu prends, tu la prends. Hein, la... C'est une rouge. Ah, je le sens. Je le sens en moi, la rouge, c'est encore la bonne. Vas-y, va de ton côté, mon gars. Va de ton côté, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es dégoûté? C'est normal, mec. Vas-y, mets-toi là-bas. Pas pourquoi j'avais envie de prendre la rouge, là. Le tout pour le tout, en échange de porte. Y a pas tout pour le tout. À part si c'est de me rentrer dans mon crâne. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas. J'ai vu une psychologue il y a pas longtemps. Ça marche pas comme ça. Non, mais en vrai, écoute-moi bien. Ouais. TikTok, c'est plus vers le bleu. Ouais. Et YouTube, c'est plus vers le rouge. Ouais. Donc viens prendre au réseau. Pourquoi? T'as commencé sur quel réseau toi? Sur YouTube? Non. Si, j'ai commencé sur YouTube. C'est quel réseau qui t'a fait montrer au grand jour? Ah, TikTok. Bah voilà, c'est ton réseau. C'est grâce à lui que t'es ici. 1, 2, 3. Non, attends. C'est une bataille navale! Bataille navale! Ok! Ils ont installé des rideaux et tout! Pour l'instant, il n'y a pas de mauvais ni de bon. Je crois que ça va être la guerre, hein. On va jouer à la bataille navale. Mais au lieu de placer nos bateaux sur des cases, on va placer des happenings surprises. Si jamais je place mon happening sur la case A3 et que Nico me dit A3, je dois faire mon happening. Et ça fait chier. Je t'ai pas dit d'ailleurs, encore merci à RhinoShield d'avoir sponsorisé la fille. Si on veut avoir une coque au moins, quelque chose, parce que moi je suis sans coque. Oh, les rideaux de con. POV, on est des pirates. Oh putain, j'arrête ça tout de suite. Je sais pas où les placer, faut que je fasse strat. Ok, je vais le mettre dans le 3. J'ai joué à Bataille Navale sur plateau, ouais. C'est-à-dire là, il est mort. Et j'ai trop d'XP en fait. Les gars, avant le début de cette manche, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. On est bientôt aux 300 000 abonnés. Ou alors, on est déjà aux 300 000 abonnés, ce serait une dinguerie. Team Crouton, c'est les boss, ouais, Team Crouton, c'est les boss. Honneur à l'invité. Ok, B1 s'il te plaît. Mais faut que tu te places sur B1. En gros, t'es un bateau quoi. Okay, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis un humain. Le mec, il prend ton premier degré. Détruis ton B1. Mais wesh, t'as triché, gros. Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais wesh, one shot du premier coup. Mais hey, tu vois, je l'ai dit, gros, je suis expérimenté. Le mec des Apollings, viens là. Je t'ai dit, j'ai regardé 3 fois Pirates des Caraïbes, le 2. Putain, t'es dans quoi de regarder Pirates des Caraïbes? Frère, t'es dans le truc. C'est moi, je vais te guetter. C'est quoi ça? Ouh, la potion YouTuber. La Game Potion. C'est quoi cette potion de con, là? Et là, on a la Joy Glass. Ouf, J'espère dans la bleue, il y a au moins du liquide vaisselle. Oh, ça pue le vinaigre. Ah, d'ailleurs, dis vinaigre sans dire vie. Vinaigre? Non, mais sans dire vie devant. Bah, vinaigre. Non, vinaigre sans dire vie. Juste, tu dis le... Bah, montre-moi l'exemple. Je sais pas, moi je... Parce que je suis dyslexique, j'ai du mal un peu. Ah, moi je suis... Moi je suis juste raciste. Donc Allez, envoie un shot. Ah, c'est dégueulasse. Arrête. Ça me fait plaisir. Vas-y. J'ai l'impression de boire de la sauce salade. J'ai l'impression de boire de la salade. Allez, mais fais encore. Passe à la Joy Glass. Ça vraiment, ça a l'air vraiment d'être la pâte à crêpes, hein. Oh, ah non, mais je vais pas te demander d'aller au bout, là. Team
pas, frère, il m'a donné un saut comme si j'allais monter sur la lune. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais gros, ah, ça mais... coule pas. C'est terrible, hein. Vous l'avez récupéré en EHPAD, ce mec. Attends, j'arrive. Eh, viens pas dans mon quartier, viens pas dans mon quartier. 100, 100. Mais non, c'est bon, je sais ce que c'est. C'est de la sauce kebab, un truc comme ça. Oh, les amuseurs. Allez. J'espère qu'il va vomir. Eh, vomis. Vomis, ma gueule. Ouais. Ouais, c'est quoi tout ça? Ah, je peux toutes pas. Ces larmes. Allez, referme ça. Ah, t'as voulu faire la vidéo, mon gars, souffle, mon gars. Ok, à mon tour maintenant. B3. Ok, tu peux ouvrir le truc. Allez, referme, referme, referme. Mon chégué? Ouais. Tu peux aller récupérer ce qu'il y a en A4, s'il te plaît? Ah, comme la feuille, genre? Ouais, ouais, ouais. Ah, s'il a fait une blague, c'est que c'est pas bon, putain. Oh non! Tu mens. Oh putain! Non, c'est bon, il ment. Oh, le jeu d'acteur en français, vraiment. Marion Cotillard. C3, comme la voiture. Oh, le fumier. Ouais, tu peux venir voir? Ma oh, je pue de la gueule, rien. Non, non. Viens, viens, sans. Ça l'arrête l'icote. Oh! Bah, du coup, je vais choisir moi aussi C3. Il est mort. Oh non! Fais chier! À toi! Ah, je crois que j'ai vu des mots, hein! C'est bon. Non, non, c'est à moi du coup! Vas-y, s'il te plaît, tu peux montrer! Ah les gars, il est trop con! Envoie-moi la penning 1, s'il te plaît, pour le bleu! Ah, chic! Sauce blanche! Oui? Je stresse, j'ai vraiment mal au cœur. 10 000 balles. 10 000 balles, même son compte en banque, il est pas au courant, là! Comment ça, 10 000 balles? Yes! 10 000 euros, ça doit être ça! C'est une blague que t'aurais pu faire. Tiens, 10 000 balles! Bah non, c'est des balles, c'est pas des euros. Non, bah ça demande trop de rangement. Je me serais jamais permis. Vas-y, je peux fermer, s'il te plaît. Je trouve que t'es vraiment hautain avec moi. C'est la bataille navale, hein, c'est la guerre, mon gars. Je crois qu'à l'époque, quand c'était la guerre. Oh, ça glisse de fou, sa mère. Les boules m'ont donné la réponse. A2! Ouais, pas mal. Pas mal. Yes! Ça va se fumer. Yes! Ok, là on va s'amuser un peu, mon petit Nico. Mais déjà, les boules, c'est de la merde en vrai. Je t'ai niqué un bateau, j'ai le droit à ça. Normalement, je sais pas, il y a un mec qui vient te tirer avec une vraie arme, un truc comme ça. Des vrais happenings, un mec qui vient te taser. Mais je t'ai déjà dit tout à l'heure, je me suis déjà fait taser quand j'étais petit. Je le referai plus jamais. Ouais, mais oui, mais. Je me suis vraiment fait raqueter, je me suis fait taser. Vraiment, j'étais à l'hôpital 24 heures. Il s'est fait hagar par un mec, il s'est fait taser, c'est une dinguerie quand même. En plus, il m'avait volé mon iPhone 14. Il t'a volé ton iPhone 14, tu vois. Comme quoi, tu veux pas danser sur les réseaux, je pense que c'était un signe. Mais tu veux quand même forcer, frère. Sois normal, mec. C'est bon, c'est du passé. Maintenant, regarde, t'as quoi comme iPhone? J'ai le 15 Pro Max. Voilà, tu vois, t'évolues un petit peu dans la vie. D'ailleurs, les mecs, si jamais vous voulez un 15 Pro Max gratuit, vous venez avec un taser, vous allez le taser, vous prenez son taser. Si jamais, hein. Gros, j'en peux plus de ces mecs. Ouh. Oh là 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 là. Quel chien. Par contre, est-ce que je peux venir y goûter? J'ai jamais goûté celle-ci. Reste dans ton camp. Tu veux la goûter, t'es ouais, sûr? Ouais, s'il te plaît. Oh, les gars, ça sent la farine. Vraiment, c'est horrible. J'adore ce bruit. B4. Ah putain, j'ai gagné un voyage. Ah, c'était sûr, il est en train de faire un avion en plus. B1. Chef, là, tu mets aucun happening, hein, vu qu'il n'y a rien. Tu vas sur la case A3, s'il te plaît? Tu veux que je prenne celle-ci? Ouais, ouais, ouais. Il est lent, là, ce lait. Qu'est-ce qui se passe? Remontre. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il se camoufle? Pourquoi il est comme un casseur, là? Wesh. C'est quoi ça? Quoi ce truc de con? Non, c'est faux. C'est pas une lacrymo? C'est quoi? Oh, wow. Ah, ça me pique sa mère. Comment? Y'a quoi? Je sais pas. Ah, la penning! Remboursez-moi la penning! Ouais! Ça m'a terrorisé ce qui vient de se passer. Putain, et en fait, les gars, c'est une bombe acrymo d'après ce que j'ai compris. Ça fait rien, les gars, je vais pas surreact, je vais pas dire oh non, mes yeux! Ça fait rien du tout. C'est à moi du coup. Ouais, vas-y, pour voir. Je peux rentrer, s'il te plaît? C'est quoi le code? 4, 2, 3, 2. Ok. Merci. Alors, au hasard, je vais choisir. Vraiment au hasard. Putain. Du coup. Regarde-moi ça. Au hasard. Attends, je réfléchis encore un peu. Ok, B2. Au hasard. Ah, rend fou la team. Ça rend fou. Là, tu t'as fait un petit pont sous tes jambes, là. Hop. Ah, un peu de play. Oh, putain. Oh, non. Oh, non. J'avais pas vu. Ouh.
Depuis le début, t'es méchant avec moi, sois gentil au moins une fois. Danse, 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 danse. Danse pour moi, danse pour moi, danse pour moi. Danse pour moi, danse pour moi. Danse pour moi, danse pour moi. Danse pour moi. Tes mains, il m'a collé à l'intérieur. Regarde, mon petit gilet que j'aimais bien. Au niveau d'ici, là. Allez, prochaine porte. Quatrième porte, la dernière, c'est parti. T'es prêt? Regarde l'heure, là. C'est une prise d'otage, c'est une prise d'otage. En vrai, choisis la porte que tu veux. Non, 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 non. En vrai, moi, j'ai le droit de choisir. Ah, la rouge, elle m'a porté bonheur, je vais la rester jusqu'à la fin. Si je dois souffrir, au moins je souffrirai pour la bonne raison. Vous avez pas vu le pull, hein, il a... Sachez qu'entre cette séquence, il y a eu au moins... 2 heures, les gars, je vous jure que c'est une séquestration, je le vis pas autrement. Non, mais après, c'est pas grave, en plus, tout à l'heure, il m'a avoué qu'il avait la flemme de venir hier soir. J'avais oublié le tournage hier, j'avais la flemme, et je suis là, hein, malheureusement. Il m'a dit qu'il me prenait le Uber pour rentrer, et ça, moi-même, je l'aurais pas fait. Hein. Bon, peut-être il est temps d'ouvrir, non? Au bout d'un moment. Il est temps de l'ouvrir, hein. 1, 2, 3. Ça va, quoi, tu vas bien? Wesh! Wesh! Mais je suis choqué, mais là, tu sais que je croyais que c'était à moi, carré! Bon, allez, bah, habille-toi. Je pense pas qu'on va mettre les protégés, on va te mettre les gants. Ça va bien se passer, on va se faire un petit combat tranquille, là. Wesh! Oh, je suis choqué du truc, là! Oh, mais c'est ton ancien appart! Bah, ouais! Ah, mais c'est trop bien fait de baiser, par contre! Mais j'en ai un million! Attends, et du coup, on va faire quoi ici? On va faire un peu de MMA, quoi. Bah, un peu de MMA. Passe-moi, Anto, j'espère que t'es prêt. Mais je vais péter un plomb! Mais c'est trop bien fait de fou! Ah, je suis choqué! Attends, attends, ça va trop vite là! Tiens, tiens! Je viens de me réveiller! Ah, mon rêve, j'avais pas vu! J'avais pas vu mon rêve! C'est un mon rêve tranquille! Ouh, ça sent le. Ça sent le sport ici, hein! C'est détendu ou pas? Ouais. Ah. En fait, ce qui... attends, attends, parce que ce qui me paraît bizarre, c'est que t'as l'air trop gentil là. Oh là là, vous êtes fort! C'est que la vérité, je croyais que c'était à moi ça! Et je crois que je sais même pas où et je vais le récupérer en vrai. Le ring en PVC de chiottes. Par contre, j'ai jamais eu de manette, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi vraiment, c'était que pour flex. Parce que là, on va jouer à la MMA. Jure! Tu prends Romain ou Anto? Mais Romain, Anto, il est... se voit qu'il est trop lent de baiser. Ouais, bon, en fait, j'explique. Moi, il y a 2 jours, je me suis battu contre Greg MMA et il m'a bien enculé. Du coup, c'est le moment. Tu peux te passer toi. Franchement, Nicolas, ça va être encore pire pour lui, hein, je pense. Hein. Parce que moi, j'avais un vrai ring. Du coup, il était gentil, tu vois. Allez, go, go. On va pas parler, là, Nico. Il faut qu'on fasse notre combat, là. Allez, go. Vas-y. Allez, vas-y. Allez, on y va, là. Allez, jump. Va chercher. Allez, vas-y. Va chercher, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui. Allez, merde, défends-toi. Défends-toi, tu poses des enchaînements. Bon, ça commence à être dur là, ça commence à être dur à regarder. Hein. Oh là là, mais frère, abandonne pas. Oh, celle-là, elle était pas mal. Attends, je vais refermer la porte. Vas-y, retourne-y. Me lève. Il a pas de casque. Il doit des sous ou quoi? Eh, attends, je vais te dire un truc. Je vais dire, ouais, je me suis battu contre Greg MMA. Il m'a dit, moi, j'aimerais bien me faire défoncer, il a dit. Exactement ça. Oh là 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 là! Il m'a défoncé la gueule! Qu'est-ce qu'il y a? Mec, il m'a lessivé! Full portée rouge, les mecs, ça a porté! Hein. Je profite, là, je suis dans mon petit chez moi, tranquillement! Nico! Viens mettre les gants, un peu! Allez, viens mettre les gants! Non, en plus, je suis blessé par la rue, là, ouais! C'est quoi ce combat? Allez les gars, allez! Hein? Il est 20h, c'est fonctionnaire, c'est fini à ce temps-là! Vas-y, la bonne porte! Qu'est-ce qu'il fout? Mais le PVC, il a rien demandé! Camille, qu'est-ce qu'il y a?
Viens, Kamikaze, il fait du shadow, les gars. Kamikaze, on a les vidéos, il fait du shadow. Allez, viens. Viens, tu vois. Kamikaze. Ouais, s'il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Oh, putain. Va aller, Kamikaze. On ne shadow plus. On ne shadow plus. Il a perdu sa casquette. Tu montes ton vrai visage. Ah mais c'est pas Camille. Non mais c'était sympa, en tout cas moi j'ai choisi quand même la porte rouge et à la fin j'ai quand même fini dans la bleue quoi. Bon les frérots, merci d'avoir suivi la vidéo, merci à toi d'être venu mon frérot, même si t'avais pas envie de venir d'être là. C'est vrai qu'avec la fin on n'a pas trop envie, mais merci de m'avoir invité, en tout cas c'était lourd. À savoir que j'ai gagné quasiment toutes les fois, juste là c'était un plaisir vraiment sadique. Ouais les gars, merci à Anto et Nico, les meilleurs. Encore merci à toi pour la vidéo. C'est quoi ton Insta? MMA.neige les gars. Allez le follow les frérots, il est de loin pour faire cette vidéo, merci à toi. Les frérots, oubliez pas de vous abonner à Nico aussi. Oui, et à la chaîne aussi. Et oui, abonnez-vous à la chaîne. Bientôt j'arrive sur YouTube. Bisous.